Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mayol Meno, j'ai 18 ans et je suis en première année du BBA que j'ai intégré sur concours interne. Donc moi je vis le confinement chez mes parents, c'est plutôt bien, je suis avec toute ma famille, même si là ça commence à être un petit peu long du coup. Donc moi j'ai eu la chance que mes cours se terminent assez rapidement après le début du confinement. Mais sinon, quand j'avais encore des cours, je faisais les cours en ligne, normaux, et si j'avais des devoirs ou des projets à rendre, j'essayais de le faire le plus rapidement possible comme en temps normal. Donc je fais pas mal de choses, j'essaye de faire pas mal de sport, je joue aussi avec mon frère, j'ai retapé le scooter de mon père que je vais donc pouvoir utiliser, j'ai aussi pris la partie d'essayer d'apprendre une nouvelle langue, donc l'italien en l'occurrence. Ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir voir mes potes à l'école ou même en dehors et faire des sorties avec eux. Mon cours préféré cette année, ça a été le cours de mathématiques financières. Donc ce que j'ai aimé, c'est le fait que ce soit des maths. En fait, j'aime bien les maths, ça me correspondait plutôt bien. Et aussi le fait que ce soit appliqué plutôt à la finance. Donc c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, donc c'est pour ça que c'était mon cours préféré cette année. Y a plusieurs choses. Il y a déjà, enfin c'est pas un outil... Pas vraiment un outil, mais c'est le projet Voltaire, ce qu'on appelle le projet Voltaire. Donc c'est en gros un module sur Internet qui nous permet d'acquérir un bon niveau en français. Donc ça, c'est déjà un outil qui est utile maintenant et qui sera utile plus tard. Donc oui, je suis en programme post-bac. Et donc oui, j'aimerais bien faire un master aussi, pourquoi pas en finance. J'aimerais travailler dans la finance, quel métier, je sais pas encore, ou alors sinon manager dans un grand groupe par exemple. SCBS c'est une école de commerce à taille humaine, ce qui permet d'avoir une grosse proximité entre les élèves et les professeurs, donc ce qui est un gros plus pour l'apprentissage. Et aussi une école hyper conviviale où tous les étudiants se connaissent et partagent leurs expériences entre eux.